Bonjour à tous. Lorsque nous considérons le monde qui nous entoure, nous voyons des choses magnifiques, bien entendu, mais nous voyons aussi beaucoup de détresse, beaucoup de misère. Et la question évidemment surgit, mais comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce que Dieu a fait au commencement? Alors nous n'allons pas répondre à la première partie de la question, comment cela est-il arrivé? Cela fera l'objet d'autres méditations, mais que s'est-il passé au commencement? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, nous avons le récit de tout ce que Dieu a créé. Il a créé le monde, il a créé l'eau, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé les végétaux, et puis la lumière. Voilà toutes ces choses qu'il a créées. En fait, il crée un berceau magnifique, une chambre d'enfant extraordinaire dans laquelle il placera, comme sommet de cette création, l'homme et la femme qu'il a créés à son image. Voyons le regard que porte Dieu sur ce qu'il a fait. Tout au long du récit, à plusieurs reprises, il est dit que ce que Dieu fait, il le regarde et il dit « voilà, c'était bon ». Et arrivé au sixième soir, il y a une appréciation légèrement différente. Et je vous invite à la lire dans le premier livre de la Bible, premier chapitre, et au verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Mes amis, le monde que Dieu a créé à l'origine ne comportait pas le mal, ne comportait pas le péché. Notre monde en était exempt. Le mal existait déjà, on aura sans doute l'occasion un jour de revenir sur ce sujet. Mais dans le monde que Dieu crée, à ce moment-là, le mal ne se trouve pas. Il a créé un environnement parfait, idéal pour accueillir l'homme et la femme qu'il vient de créer. Il regarde tout cela, et avec ce regard de satisfaction, il dit « c'était très bon ». Oui, Dieu a créé quelque chose de très bon pour chacun de nous. Et même dans le monde détérioré dans lequel nous vivons, Dieu a toujours ce projet de quelque chose de très bon pour nous. Mes amis, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'a jamais changé entre la création de notre monde il y a des milliers d'années et aujourd'hui, où en s'approchant de vous comme de moi, il nous dit simplement « je t'aime et j'ai quelque chose de bon pour toi ».